la fin, je veux le but. Ce soir en immersion. C'est ça. Rapidite. C'est ça. Merci le fraté. Ça fait plaisir. Ça se passe bien, tu te sens bien? Ouais, au calme. On a tout préparé à l'avance, comme d'hab. Ouais. Et tout va se passer comme prévu, j'espère. La clé USB qui vaut plus qu'une Bugatti, c'est ça? C'est ça. La fameuse clé. Montre pas trop dans quel truc elle est. Tu veux jamais. Venez, je vais faire un peu. Vas-y, tu me montres un peu. Parce que ça va être le chocage de table. C'est bien ce que je vais faire, Bruno. C'est ce que je vais faire. Un pété fort. Ah, je pense, comme d'hab. Hein. L'année dernière, tu cassais des nuques. Là, cette année, je casse des coccyx. Cette année, je choque des tentes. Ah ouais? Choque des tentes, cette année. Ça va péter, tu vas voir. Oui, oui, oui. C'est la crise en check, mec. Vraiment la crise. Je sais que si un jour j'arrête, je vais faire des heureux. Ceux-là, je vais les faire serrer. Je vais encore faire des euros. Passe à la deuxième. La deux, là. Ouais. Ça te va le niveau là comme ça? C'est bon comme ça, peut-être un peu plus fort encore l'instru. Ah ouais? Ouais, c'est possible. C'est fort. Ah ouais? Fais-moi signe quand tu veux que je monte. Vas-y, monte un peu plus si tu veux, juste. Tu me dis, hein? Vas-y. 1-1-1-1. Tu fais un pansement. Tiens, une, c'est pas ma faute si tu penses mal. Si tu penses que, il faut mon smile. Ça va faire combien de temps à peu près? Je sais pas, le sang. T'aimes trop ça, toi? C'est grave, hein, ça. C'est tout ce que j'avais à dire. Tu reprends les freestyle anthologie. C'est ça. Ah là là. Non? Petit clin d'œil à Rof, t'as raison. T'as raison. Et tu vas voir, dans ce planète rap, il y en aura des belles surprises. Ah ouais? Fais des clichés, même si t'es pas photogénique. Je leur fais confiance, c'est dans le dos immunique. Arrête de dire, oh là, tu t'appelles Dominique. Non, je t'ai fait quand j'ai mis le plein. Tu m'as fait le signe, Jules. Je t'ai dit, et merci bien. Hein. Et merci bien, la zone. Et merci bien, la zone. C'est bon. Alors Fred, hein, je garde le rôle. C'est vrai, on est là. Hein. Je crois que je m'installe ici. Hein. C'est familial ici, c'est bien. Ouais, c'est familial ici. Parti coup d'envoi de cette folle semaine, tous les soirs en direct entre 20h et 21h sur Skyrock. On débute à Marseille avec Jules. Comment ça va, Jules? Alors Fred, on est pas bien? C'est bon quoi? Tranquille avec toi? Ça se passe? Noir, tranquille. Tranquille avec toi, mon frère? Cool. Tranquille. On est venu vous visiter là, ça fait plaisir. Bien quoi? Cool. Le père. J'aime trop, il me fait trop penser à ce game. Toujours. Et continue. Super, voilà. Tout est nickel. Le foot, la Coupe du Monde, on reste à la maison, on regarde les matchs. Regarde un peu. D'ailleurs, il y a un match qui va commencer là. Il y en a deux, mais moi, c'est le Portugal qui m'intéresse. Portugal et Suède, c'est fou. Ouais, mais là, il y a Portugal, Iran. Ça y est, la répétition du Planet Rap Freestyle, ça y est, fini. Ça y est, c'est bon. Quand t'arrives au micro, t'as déjà le flow parce que tu t'es entraîné chez toi avant. Ah oui. Truc, hein. Parce que des fois, il y a des changements de flow. Ça prend même ça, tu les maîtrises dans... Ouais, ça c'est... Après, c'est... j'ai l'habitude maintenant avec tout ce que j'ai fait. Tous les freestyles qu'il y a là, j'ai tout répété beaucoup de fois avant. Un texte, tu le répètes combien de fois chez toi? Un ou au texte, studio? En tout, avant que j'arrive, je dois le répéter au moins, je sais pas. 15 fois, plus de 15 fois chaque 15 son. Fois Plus de 15 fois chaque son. Ouais. Et ça t'est arrivé d'avoir des oublis de fou? Des oublis, ben ouais, ça arrive. Quand je suis sur Skyrock, comme je peux pas tout retenir, je suis obligé d'avoir le... Ouais, le téléphone. Le téléphone, tu as vu. Les textes, tu les as écrits peut-être quoi? 2-3 jours avant? Une semaine avant? Ouais, là ça fait 15 jours j'ai écrit. 15 jours, plus j'ai commencé... Ouais, il y en a que j'ai commencé un peu avant. Et là, sachant que tu t'envoles pour Moscou, tu as un peu plus préparé le truc ou... Non, toujours pareil. Sauf que j'ai mis mes meilleurs sons vers la fin. Ah ouais? Ouais. Pour monter en pression, c'est ça? Ouais. En plus, là-bas, il va y avoir des rappeurs russes et tout. Ouais. Ah ouais, carrément, des rappeurs que tu connais, qu'on t'a présenté. On m'a dit, à lui. Je me suis dit, ouais, lui. Ouais. Et voilà. On va faire un petit truc en micro, on va voir. Hein. On va voir comment ça se passe, mais moi je sais pas trop, je te demande pas. Au feeling. Je vis au feeling. Quoi, Moscou, tu vas voir des footeux là-bas, des amis que t'as. Mendy, on sait que t'es un proche de. Ouais, je sais pas si je vais pouvoir les voir parce que je crois qu'ils sont à 400 km de nous, je crois, ouais, comme ça. Kazan. Et nous on est à Moscou, je crois que c'est un peu. Je sais pas si on aura le temps de se voir. C'est quoi cette idée d'ailleurs de partir en Moscou? C'est par rapport à la Coupe du Monde? Parce que on a vu que t'étais un gros kiffeur de foot. On a vu enchaîner avec ça. Skyrock, ça fait une idée en plus. Pour la réalisation du clip, d'ailleurs, t'as fait appel à Thomas Tchetsky.
quand t'as fait appel à lui, c'est parce que tu voulais un visuel assez différent. C'est... Ouais, en fait, à la base, moi, je voulais un truc différent. Il a fait le taf, hein. Ah, ça se voit que t'es satisfait. Hein. Ouais. ouais, la vérité, ceinture. C'est les gestes techniques que tu fais dans le clip. C'est vraiment toi, tu les as fait d'un coup. Ah ouais. Là, après, pas d'un coup, tu vois. Des fois, on a refait des prises parce que je joue plus tous les jours au foot. Ouais. Mais j'ai voulu me mettre un peu, on va dire, en valeur un peu dans le foot. Genre, pour montrer un peu ce que je savais faire. Donc, tu tâtes encore le ballon, quand même. J'ai encore même la technique, ouais, tu vois. Après, le physique et tout, le cardio, c'est notre histoire. Ça y est, t'as le cardio pour les freestyles, mais après pour le match. Après, tu vois, je sais pas, ça dépend, le second souffle et tout. Ouais. C'est une histoire. Et là, pronostic pour la Coupe du Monde, tu dis qui, toi? Tu vois, au début, avant que ça commence, j'étais... Bon, déjà, tu vois, la France, je sais que pour moi, ils ont une grosse équipe, tu as vu. Je misais sur la France, tu vois. Et sinon, après, j'avais dit le Brésil avant que ça commence aussi, tu vois, qu'ils pouvaient faire quelque chose, mais... Là, tu commences à... Je commence à douter. Ouais. Et là, je vois que même les petites équipes, elles ont faim, tu as vu. Ça veut dire que tu sais pas trop, tout le monde est... Ça se passe, hein. Ils jouent leur vie. Bien sûr, bien sûr. Ça qui est bien. Quand tu vois l'Argentine avec Messi aussi, très compliqué. Et Ronaldo, tu as vu. Ronaldo, il assume, hein. Putain, c'est un bon. Il doit travailler 10 fois plus que les autres, à mon avis. Je crois. Avec tout ce qu'il y arrive. Donc, il a 34 ans, le type. T'imagines. Même le coup qu'il a fait contre l'Espagne, là. C'est ça, faut le mettre, le coup franc. Putain. Avant qu'il tire, j'ai dit le met. Franchement, c'était un bon angle. Il avait un bon angle. Tout le monde, je me suis dit, si ça passe le mur, c'est bon. Parce qu'ils avaient dit que c'est Zizou qui l'a entraîné à tirer les coups francs et tout. Là. Dernièrement, ils étaient à l'entraînement, j'avais montré des. J'ai des astuces. Genre, à la fin, tu as vu, ils ont marqué Ronaldo contre Espagne. Ils ont mais ça, bien sûr. Ronaldo 3, Espagne 3, mais bien sûr. Traque maman ou traque ton arrière. C'est quand tu l'as, j'ai fait 15 albums. Va falloir ta fille si tu veux ma carrière. Mais des fois, tu prends le temps de t'arrêter, de regarder dans le rétro. De te dire, ah, qu'est-ce que j'ai fait? Non. Pourquoi? Je trace tout droit et genre, tu as eu des rien que me dit, il y a des disques d'or, je les ai plus vus, ça fait des années d'un coup, je suis, celui-là, pourquoi es-tu celui-là? Faut qu'arrive le diamant aussi, je l'ai découvert sur scène, le diamant. Il n'y a pas de truc, c'est que le travail qui paye. Hein. Un peu de talent, le reste, le travail. Et quand tu dis travail, ça veut dire que tous les jours, par exemple, tu écris des textes, tous les deux jours, c'est ça? Ouais, il y a des fois où j'ai envie de me calmer aussi, tu as vu. Quand la machine elle est lancée, ça peut partir sur 8 mois de studio renfermé, tous les jours, à faire des sons. Plein hiver, j'hiberne. Toutes les interviews qu'on a pu faire depuis les années qu'on se connaît, à chaque fois que tu me dis t'enchaînes, mais est-ce que tu as du temps, entre guillemets, pour toi? Juste profiter de la vie, tu vois, quand rentrer dans les détails, bien sûr. Par exemple, là, il y a plein de trap et tout. Faire plein de trap et tout, tu vois, c'est un peu, on va dire, un petit poids sur mon dos. Dès que j'ai plus ça, je m'amuse un peu, tu vois, pas m'amuser, mais. On va respirer. Détente. Ouais, la petite détente, parce que là, je travaille depuis. Ça fait trop longtemps. Mais c'est ça. Pas trop pris de vacances en plus dans ma vie. Ouais. Mais comment ça se fait? En plus, tu peux, mais j'ai l'impression que t'es. J'ai plus envie de partir. Après, j'ai envie de partir. L'humeur, elle est changeante. Ouais, c'est compliqué. Et sur cet album, on a vu que tu as invité de nombreux artistes. On a entendu le feat avec Alonso, Soprano. Sofiane aussi. Ayman Serrani, Moubarak. Shai. Moubarak, Ayman Serrani. On commençait par le featuring avec Alonso. Ouais. Cette fois, c'est pas forcément l'éco trip, vous avez fait beaucoup de collaborations. Il aime la folie, tu fais de l'insomnie à cause de ces conneries. Tout le monde te dit que c'est un fou ce gars-là. Tu n'es pas la seule dans ce cas-là. Tout corazon est plein de balles. La roue tournera, quelqu'un d'autre aimera. Là, cette fois, on est plus sur une thématique. Ouais. Là, on a voulu partir sur un thème, en fait, tu vois. Le thème, il est particulier. Ouais, c'est ouais, les gars. Particulier. Ouais, c'est vrai, on vous a mis c'est un peu dedans. C'est pas trop sympathique, tout ça. Mais c'est la réalité, non? Oh, je vois pas de quoi tu parles, moi. Ah, tu vois pas de quoi je parle? Ouais, t'inquiète, moi je vois de quoi tu parles, tu vois. Je vois. Moi, je veux pas de problème, moi, les gars. Participer un peu au titre qu'ils ont fait sur l'album. J'étais là quand ils l'ont fait, je suis arrivé en milieu du morceau. Franchement, je pense que c'est leur meilleur morceau. Ouais. C'est vrai que cette fois, on n'est pas dans une direction ego trip, c'est plus un thème. Moi, je leur ai dit, je pense que là, sur ce morceau, vous avez touché un truc que des artistes, il y en a, ils finissent leur carrière sans toucher ce point. C'est-à-dire, c'est. T'as vu le thème, tu vois de quoi il parle. Un mec, il peut être touché en écoutant ce morceau. Il y en a, ils l'ont vécu. Tu connais toujours des gens qui ont vécu ça. Il y a des meufs, elles ont vécu cette histoire.
Et même ceux qui ne l'ont pas vécu, elles connaissent. Ou même, c'est comme quand tu regardes un film. Des fois, je sais pas, Titanic, là, ils l'ont jamais vécu, mais ils regardent, c'est triste et tout, tout ça, ils sont touchés. Et bien, ce morceau-là, il m'a fait pareil que, qu'un beau film, en fait. Là, ils vont être touchés. Je dis, vous êtes des bâtards. Moi, j'ai dit à Jules tout à l'heure, les gars, c'est pas cool hein, pour certains. Ouais, ils vont mettre les mecs dans, en galère. Il y en a, leur jeu, il est fini. Certains, ça va être chaud pour eux. Ah ouais. Bonne touche. C'est vrai, bonne touche. Ils vont être en mode garde à vous. C'est un film, les mecs, vous n'allez pas nous la faire. Peut-être qu'on part pas en ego trip. C'est vrai. On part dans un titre qui va prouver des difficultés à certains. Ah, moi, j'ai dit à Jules, j'ai dit à Spice, je te le dis à toi. Mais qu'est-ce que ça doit venir de toi, ce genre d'idée? Non, pourquoi? Mais qu'est-ce que vous en pensez en tout honnêteté? Franchement, le morceau, il est. En toute transparence. Franchement, c'est un thème qui est rarement abordé, surtout de cet angle-là. Ouais. Je trouve que c'est bien fait et que ça devrait parler à la gente féminine comme à la gente masculine, je pense. Vraiment. Ouais. Je suppose que vous l'avez clippé aussi. On l'a clippé dernièrement. D'ailleurs, c'est un clip de Chris Macari. Ouais. Et on a fait quoi? On a fait 4-5 morceaux ensemble. C'est vrai que c'est des morceaux égotrip. Ouais. Il n'y a pas de thème précis qu'on avait l'habitude de faire. Ouais. Ça bougeait, c'était rentre dedans. Là, franchement, on s'est dit... Il arrive à aborder des thèmes seuls, comme Chiquita, sur des femmes ou quoi. Moi, pareil, sur un Sumo ou un Binta. Mais on l'a jamais fait ensemble. Ouais. Donc, de réunir les forces pour faire un morceau à thème, je trouvais ça intéressant. Surtout que ça fait 2 ans qu'on nous a plus entendus ensemble. Ouais. C'est une espèce de retour. Parce que quand même, les gens, on les a habitués à la collaboration. À vos combinaisons. Tu vois. Donc, je trouvais quoi ? On trouvait ça dommage. De revenir pareil, tu vois. Ego triptyque. Mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'au niveau du rythme, en fait, ça n'a pas bougé. Ouais, parce que c'est un morceau qui peut te faire gamberger, comme un morceau qui peut te faire danser. Bouger la tête. Tu vois, bouger la tête, tu vois, il a plusieurs facettes. Mais il ne fallait pas perdre ce côté rythmique, tu vois, ce rythme. Après, moi, je suis content qu'on ait fait un thème. Ça change. Ouais. Je pense que voilà, on nous a entendus souvent et... J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Sincèrement, j'ai hâte de voir la réaction des gens. Je pense qu'on a fait un très gros morceau, tu vois, Calante. Ben, en fait, au début, j'ai fait l'instru. Ouais. J'ai envoyé une instru comme d'habitude, tu veux, pour la rue, comme d'habitude, ouais, ouais. Comment on fait. Il me dit, ouais, mais tu sais quoi, on a trop fait ça, viens, on essaie de changer, on fait un thème, quoi. Je dis, allez, vas-y, c'est bon. Il a déboulé au studio. On a mis l'instru, ça parlait des gadjis, des gadjos. Ah, naturellement. Et voilà. T'as pris l'inspiration autour de toi, c'est ça? Ouais, on a pris un peu de tout. On est parti plus dans le thème, tu vois. Que le mec, il rend fou sa copine, quoi. Ouais, parce... Après, c'est toujours ce qu'on voit, ce qu'on a vu. C'est ça. Voilà, quoi. Ouais. Tu connais toujours le réel. Ouais. L'agence féminine devrait apprécier, logiquement. Ah ouais. Ouais. C'est un morceau que tu vas mettre en avant, je suppose que tu l'as clippé, il me semble que tu l'as clippé. Ouais, on va le mettre en avant, clipper, et on va voir ce que ça donne. J'espère qu'il va tout péter, normalement il y a tout pour. Moi j'ai repris le morceau dans la tête le jour du tournage, parce que je l'avais laissé au studio, donc j'ai écouté le master. On était peut-être 30-40 sur le plateau, entre le clipper, son équipe et les figurants, les gens qu'il y avait autour. Ouais. Ça sentait bon. Il y avait des bonnes réactions. Voilà. Bah, donc, si je t'en parle, c'est que je pense que ça devrait le faire. On espère. On est en studio, on prépare prochain projet d'Alonzo. Et là, vu que c'est l'été, on a pas mal de showcase aussi à droite à gauche. Donc voilà. Pas de vacances alors? Non. Après voilà, on a un travail, c'est des vacances aussi. Hein. Ouais. On voyage. J'ai commencé à bosser avec Alonzo, tu vois, il y a une alchimie. Tu vois, c'est comme si en fait c'était l'artiste qu'il me fallait et moi le réel compositeur qu'il lui fallait. Mmh. En plus de l'artistique, il y avait la vision. Et après, il y a une confiance qui s'est installée avec le temps, avec le succès, tu vois. Ouais. Donc moi je pense que c'est ce qu'il me fallait. Il fallait que je trouve un artiste avec qui je pouvais m'épanouir artistiquement. L'album, il n'a pas de date. Okay. On le travaille aux petits oignons. Je travaille différemment des albums précédents. Habituellement, je recevais des prods. Là, ce que je peux dire, c'est que tout est fait sur mesure. Il n'y a personne qui m'a envoyé de prod. Tout le monde est venu à Marseille, s'est posé à côté de moi et je leur ai dit, je veux qu'on se dirige vers ça. Ok, d'accord. Et ça, c'est nouveau pour moi. C'est une nouvelle façon de travailler. C'est une nouvelle manière, donc on verra. Tu vois, si on ne tente pas de nouvelles choses,
quand tu as 20 ans de carrière, tu commences à t'ennuyer. Ouais, tu vas stagner même peut-être. Tu vas stagner, voilà, ouais. Voilà pourquoi je tente de nouvelles choses, ouais. qu'on apprécie certains morceaux à moi, qu'on apprécie moyennement d'autres. Ouais. C'est que moi, aujourd'hui, j'ai 20 ans de carrière, si je ne m'amuse pas, ouais. c'est mort. De toute façon, Jules, toi, toujours tu fais un petit morceau pour les meufs. Et généralement, ça marche. C'est important. Là, ils sont gâtés dans ce style, les filles. Ouais. Ils vont être gâtés. Ouais. Il y a le son avec Alonso, il y a le son avec Shai, puis fait un petit solo aussi. Ouais. Toto, ouais. Il est pas mal celui-là, je pense que celui-là a ses chances de péter celui-là. Ah ouais. Ouais, ouais. Elle est bien, c'est comme délicieux. Tu vas pas forcément toutes les clipper, tu vas passer autre chose. Déjà on va prendre. Non, je vais un peu le. Celui-là je vais essayer d'un peu le. La dernière fois tu nous as dit la même chose. Hein. On se connaît, ça y est, tu veux plus nous. Ça y est, maintenant j'ai vu que tu vois. Ouais. Pas trop en donner aussi, tu vois. Ouais. C'est bien. Il faut toujours donner, tu vois. Ouais. Parce que moi c'est ma base. Un autre featuring avec une artiste féminine cette fois, Shai. T'as arrêté de demander à mes ancêtres. Tu penses qu'à ton shopping et à ton gel. Ouais. C'est en shooting que tu fais la belle. Pas forcément un featuring qu'on pouvait attendre parce qu'on s'est dit improbable. Qu'on... Ouais, parce que un problème dans le sens où les gens ils se disent bah est-ce qu'ils se connaissent même. Bah, finalement vous connaissez. Comment est-ce que s'est faite la connexion entre vous deux? C'est par rapport à Believe. Ouais. Tu vois, ils avaient le contact de Shai. Ouais. Et d'entrée, ils m'ont passé le contact, j'ai parlé, elle était occupée pour faire le son. Mmh. C'est toi qui as demandé la collaboration, ouais, ouais. ça m'aide. Parce que tu aimais bien son univers musical, etc. Tu suis ce qu'il se fait. Ouais, j'aime bien. Ouais. Et même, j'avais vu que dans un son, tu vois, il y avait un petit big up pour moi ouais. et tout. Ouais, donc tu dis, ça ouais. m'a fait plaisir. Ouais. Et voilà. Ouais. J'aime bien comment elle chante, j'aime. Sinon, si j'aime pas, je fais pas. Ouais. Mais vous l'avez enregistré où? À Marseille? Elle est descendue? T'es montée en. Non, ça en c'est un son qu'on a fait. Non, on s'est pas vu. Ouais. On s'est pas vu encore, moi. Ouais. Là, on a fait le son d'André, je l'ai eu. Oui. J'avais une instru, au début j'en ai proposé une. Elle était bien, mais je pensais qu'il pouvait faire mieux. Après, j'ai travaillé l'instru avec Otokaku. Et je l'ai envoyé, elle a kiffé. Elle a commencé le délire et. Ouais. Et j'ai suivi, et voilà. Je lui ai envoyé l'instru. Ouais. Elle a commencé à faire la fellow sur sa partie, elle. Ouais. Et après, dès que j'ai eu la partie, ouais. j'ai suivi et ouais. ça se fait comme ça, vice versa. Après, ça s'est envoyé. Ouais, d'accord. Voilà, et je suis très content du morceau avec Shai. Un morceau que tu vas mettre en avant. Et voilà, et ouais, j'espère bien. Le clip est déjà fait, en préparation. J'espère que ça va se faire, normalement. Ouais. Ouais, normalement, le EP. T'as fait combien de clips d'après ensemble? Celui avec Alonz, Fais-moi la passe. Ouais, Fais-moi la passe, celui avec Alonz. Inspitailleur, j'ai fait. Je pilote, coup de genou. Celui avec Fianso. Celui avec Fianso, j'espère aussi, et ça serait bien. Pourquoi pas? Comment s'est fait cette connexion-là d'ailleurs? Vous avez l'air de bien vous entendre d'ailleurs. Ouais, quand on s'est vu, bah, direct, le feeling est passé. Hein. Ouais. Avec lui, c'était tranquille comme à la maison, on est monté. Ouais. Je monte à Paris, si, dans son studio. Je suis connaissance avec l'équipe, en vérité tous des bons. Il me semble que vous avez écrit ensemble le morceau parce que j'ai l'impression que quand on entend les lines, tu fais peut-être deux mesures, il en fait deux, ça voilà. Passe, c'était vraiment un truc que vous ensemble, tu vois. Les DN, la haine, le frère le choix c'est rentré. La passe est centrée, viens on arrache tout qui se tendit, j'appelle mes bandits. Ça va péter, j'espère. Je pense qu'il va péter. Ouais, moi je l'aime bien. Il faut le clip aussi, il faut le clip pour que les gens, voilà, dynamique. C'est vrai. Plus ça, c'est un clip, ça peut être fait vite fait en vrai. Hein. Ouais, c'est un clip la rue. Tu sais que tu vas le faire à Paris ou à Marseille celui-là? Pourquoi pas les deux? Pourra pas les deux aussi, ouais. Ouais. Faites bien. Une partie 9-3, une partie 1-3. Ah, on fait tout, hein, je crois. Bonne de Paul. En plus, il me semble qu'il y a. Marseille, ils sont là, c'est toujours bien passé, je suis très content. Quand tu fais des clips, les gens ils sont tout de suite dans la dynamique, ils sont contents de te voir. Ça me régale, c'est la bombe ça quand tu arrives quelque part et que les gens. Donnent de l'amour, de la force. Ouais, c'est la force, je suis fou. Et merci la zone hein, avec le frère, hein, on est en direct du 9-3. Hein. La séance photo de dédicace, merci la zone, hein, c'est comme moi. Hein. Le frère de Jean-Dieu, c'est là, chez moi. Et oui, on est là, pareil. Ouais, là. Jules dans le 9-3 Chance. Merci bien la zone. Hein. Regarde dans chaque clip, je pars pas sans que j'ai pas fait les photos. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. T'en fais beaucoup quand même, non? Ouais, parce que ça me tient à cœur. C'est ce qui me font vivre. C'est les gens qui sont là, qui me soutiennent et tout, ce qui me font vivre. Là, ça fait longtemps que je suis plus trop proche du public, tu vois. Oui. Si on remarque bien, on me voit plus dans les showcases. Je suis plus proche d'eux, tu vois. Mm. Ça, c'est un manque. Ça y joue beaucoup. Ouais. Parce qu'au début, quand tu arrives avec un album et que tu
fais, partout, tu te montres de partout en même temps, ça fait encore plus chaud. Mmh. Moi, je suis pas trop là. Ça fait que j'ai plus l'occasion d'être en rencontre, en rendez-vous avec mes fans et tout. Ouais. Ça, il faudrait que je, que je le fasse, tu vois, un peu. Ça, ça me manque. Ouais. Il y a que des fois dans les concerts, et encore les concerts, je ne les vois pas trop. Ça donne de la force quand tu vois que les gens ils sont là avec toi. T'as besoin de ça quand même. Parce que tu peux, en fait, comme tu nous dis, parfois t'hibernes. Mais des fois aussi, t'as besoin de l'interaction avec le public. Oui, ça fait plaisir. Des fois, je sors comme ça, j'oublie que je suis Jules, moi. Ouais. C'est eux qui me rappellent. Tu vois ce que je veux dire? Je dis, ah ouais. T'es rodable, tu dis, ah ouais. D'attraire le signe, tu vois. Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est bien. Mais là, on t'a jamais proposé de faire des festivals? Festival, ouais, on m'a déjà proposé. Ça peut peut-être te permettre aussi de gagner encore un autre public, parce que les festivals, les festivaliers, c'est un autre public. C'est tellement que je suis dans le studio, moi. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire les festivals et tout. J'aime trop travailler en studio, en fait. Si tu fais les festivals, tu feras au moins 80 dates. Ouais, j'espère que cardio, il est prêt, hein. Cardio, t'es prêt. Ton cardio, il est prêt, hein. Non, je pourrais si je veux faire 80 dates, tu vois. Mais après, j'aurais plus le temps de travailler en studio et tout. Et moi, c'est mon... C'est mon truc, c'est ce qui me fait... Et même, c'est comme mon sport, on va dire. Je suis pas en mode je veux gagner des trucs ou quoi, c'est-à-dire je, déjà tout ce que j'ai gagné, je m'attendais pas à le gagner. Donc je vais rester dans cette optique, tu vois. Je m'attends à rien et si ça vient, ça vient. Ça vient pas, tant pis, je continue. Sans même le jour où ça marche plus, moi je rate dans ma chambre. Normal. Ah ouais. En fait, t'es comme ces passionnés de foot qui, même si demain des joueurs pro qui arrêtent leur carrière, ils vont toujours jouer le dimanche, ils vont continuer. Enfin, c'est vraiment une passion, t'es pas rentré dedans parce que t'as vu de la lumière ou parce que c'était pas. Pas pour le buzz, ni pour les filles, ni pour l'argent. J'ai resté 10 ans dans l'ombre. J'ai trop taffé pour que ça s'arrête maintenant. Les gens, ils croient que je suis là. Ils croient que je suis là, ça fait 3 ans, 4 ans. Mais l'équipe, n'oubliez pas. Depuis 12 ans, je rappe. L'âge de 12 ans. Resté 10 ans dans l'ombre. 10 ans. Très réel dans l'ombre. Tu sais, je voyais les poteaux partir à la plage en plein été. Moi, j'étais là dans ma chambre. 20 kilos qui marchent pas, tu vois. Pété en pleine chaleur. J'en ai connu des galères comme ça. Quand t'es dans l'ombre, comment ça se passe en fait, le circuit mental? Moi, quand j'étais dans l'ombre, déjà, je pensais pas que j'allais percer. Genre. Jamais dans ma vie. Vraiment pas? Non, vraiment pas. Vraiment pas. Mais après, au bout d'un moment, je sais pas, j'ai bloqué, j'ai arrêté le foot. J'ai arrêté de travailler. Et j'ai que bloqué le studio. Travaille où, toi? Je faisais les piscines avec mon père. Après, j'ai fait la sécurité. J'ai essayé de travailler à la ville. Ils m'ont pas pris. C'est pas bien. Ouais, j'ai fait quoi? Des petits boulots, en fait. J'ai fait des petits trucs. Ouais. Avec mon chien, comme ça. Mais t'as fait un morceau aussi pour ton frère? Petit frère. Ouais. Ah, c'est obligé. Obligé. Il était là, lui. Il était là, lui, depuis quand t'étais seul. Depuis le début. Ouais. Ouais, ouais. Hey, tu rappes pas dans les temps, là. Non, lui, il s'en fout, lui. Il est pas dans les... Lui, il s'en fout. Il s'est pas rappé. Lui, tout est bon. Non, même pas. Lui, il est pas dans le délire. Ouais. Mais vraiment pas, il a jamais essayé. Tu as jamais essayé de le... Ouais, non, j'ai essayé, mais... C'est pas bon. C'est pour nous. Tu connais. C'est les dossiers cachés de l'équipe. Voilà, c'est ça, tranquille. La fratrie. Après, lui, parce qu'il a un délire rap et tout, lui, ça. Ouais. Buzz, tout ça. Ouais, il est pas dans ça. Ouais, lui, il est dans. Dans sa life. Dans la vraie vie, quoi. Dans la vraie vie. Ouais, et pour revenir à cet album, t'as invité aussi Aymen Serrani. La connexion, c'est vite comment? Bienvenue dans le cahier. Mentalité à l'ancienne. C'est mon cousin, genre il parlait avec un coiffeur, il s'appelle Tahir. Le coiffeur a fait la connexion. C'est à Marseille, mais c'est la famille, tu vois. Ouais. Il a fait la connexion avec Aymen, connaissait le manager et tout. Ouais. Ils sont venus au studio. C'est des tueurs, je te mens pas. Ouais. Ils voulaient qu'ils rapportent leur délire, tu as vu. Ouais. Ont... Ça t'est réussi, hein. Ah ouais, franchement, la vérité. Ah, ça t'est réussi. Morceau, il va... Et est-ce qu'il y aura le clip? On va voir, hein. Parce que lui, j'aime bien, tu as vu son idée, comment il fait aussi les clips et tout avec l'iPhone. Ouais. Et ça, c'est... En plus, façon artisanale, un peu de bruit, c'est ça. Ouais, ça, c'est bien, je kiffe. De toute façon, vous n'avez pas l'habitude. Attends. Ceux qui sont devant, ben, ils sont avec les 12. Mais masse. Ceux à l'arrière avec les guitares. Vous êtes où?
Elle a fait une vidéo, on va cavaler. S'il te plaît. Comme ça, et après tu nous dis go, on court vers l'arrière, les gars, ne vous bousculez pas. Moi, je vous suis pas, je vous laisse venir. Attendez. On te braque, et tu donnes un top 3, 2, 1, et on court vers l'arrière. C'est ça. Mais tiens, tu donnes le top. Vas-y. Avec nos idées de fou, là. Let's go. Fais-moi la page, je veux le but. Fais-moi la page, je veux le but. Fais-moi la page, je veux le but.